côté. Carnage. Et c'est pas fini. Voilà. Super utile son brise-garde. Oui, mais ça je le sais ça. Est assez fort pour parer les attaques d'un ogre, mais il lui faut ensuite un instant pour se remettre. Ouais, ça on sait. Je pense que pour l'histoire principale, on est un peu plus puissant que la normale. Parce qu'en fait, on fait toutes les missions secondaires au fur et à mesure qu'on débloque des endroits. En fait, on fait de l'exploration et on visite. Donc du coup, bah, pour l'histoire principale, je crois qu'on est un peu plus haut que ce qu'il faut. Mais bon, c'est pas grave, hein, mais c'est normal de toute façon. Impressionnant ce combat. Tiens, attrape. Oh, c'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé? Pas mal. Il n'y a nulle part où se cacher ici. C'est un petit tour que mon peuple maîtrise, une façon de ne pas être vu. Tu peux devenir invisible? En fait, je peux entrer dans le monde qui se trouve entre les royaumes. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'il voit, il ne voit rien du tout. C'est comme ça que nous évitons d'avoir à utiliser les armes que nous créons. Mais ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment j'allais. Est-ce que son haleine sentait l'hydromel? Je crois qu'il est énervé. Tu l'as laissé toucher à ta hache. Allons voir ça. C'est pour ça que Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes. Allez, silence maintenant. J'ai besoin du silence complet. Et voilà. Yay. Yay. Alors, ceinture d'unité perdue. Ah, c'est ça qu'on peut faire. Cette ceinture forgée à partir d'une offrande. Je ne sais pas si ça vaut le coup vraiment. Ça a l'air pas mal en fait, tous les équipements de tir. Parce que ça donne toujours un bonus force, défense ou rune. Quand on subit des dégâts, c'est pas mal, hein. Ah, tiens, on peut augmenter ça. Bon, on l'utilise pas. Ah, ça non plus. Tu peux pas augmenter le vagabond. Non, on n'a pas. Oh. Bon, non. Bon, eh bien, revenez quand vous aurez besoin de quelque chose. Ah,
Où est-ce qu'on est, du coup? Ce plan que tu as. Tu l'as deviné. Te connaissant, il ne doit pas s'agir de rester ici. Correct. Mais comment on va avancer? L'armure aimait vraiment les bijoux, apparemment. Il en avait même dans sa barbe. Pour ma part, je trouve qu'il a de l'allure. Enfin, pour un cadavre couvert de neige. Bizarre. Où il va faire tomber le marteau sur la glace? Où il va faire tomber le... Non, c'est... il va faire tomber le marteau. C'est obligé. Ça va être magique. Est-ce qu'on va entrer dans le bâtiment? Oui. Tu crois qu'on trouvera ce qui nous aidera à briser la glace et à attendre la pente du bureau? Non. Je continue à chercher. Non. Oh yes, un vagabond! Oh oui! Ouh, pas mal! Fragment d'armure vagabond, c'est ça? Trophée macabre. Je crois pas que c'est ça. On va voir. Mimir, tu connaissais cet endroit? Avant? Oui, j'ai été envoyé ici en mission diplomatique. J'ai tenté d'amener Asgard et Vanaheim à négocier un accord de paix. Maudite guerre, tant de vies perdues. Ce que j'ignorais, c'est que Thor avait déjà entrepris d'exterminer les géants. Je crois que je vais trop loin. Absolument rien, petit. C'est là toute la tragédie de l'histoire. Ils n'ont jamais pris parti dans cette folie. Mais la paranoïa d'Odin n'a d'égal que la soif de sang de Thor. J'entends les bruits bizarres. Je vais juste retourner au... On peut retourner au... Au Nabo. Voir si on peut augmenter notre armure vagabond. Comme ça on a le style. Le style. Je peux faire toutes sortes de choses. Ah merde, attends. D'abord on te parle. Continue à fureter. Nous trouvons quelque chose à fabriquer après. Allez. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je chasse des scories scap. Des quoi? Yes. Des scories scap. Du minerai est renforcé par des impuretés spécifiques qui permettent de développer toutes sortes de propriétés. Les rebuts des uns font l'œuvre d'art des autres. Nous, on s'en va récupérer un morceau de la pointe du burin du géant. Le grand burin enfoui sous la glace? Ah, eh ben je vous souhaite bonne chance. Il nous faut encore 9 fragments et on pourra encore l'augmenter. Cool. Bien, est-ce qu'il y avait autre chose à dire?
Bon, au final, en fait, je trouve ça pas très, pas très beau. Il paraît que toi et Brock êtes plutôt célèbres. Bien, c'est à moitié vrai. Ouais, alors, en fait, je suis pas super. On va la garder, hein, parce que. On va la garder parce qu'on récupère beaucoup de vitalité et tout ça, mais. Mais c'est pas super joli au final. Regarde dans la zone du vagabond, il y a une épée que tu peux faire tomber, je pense. Ok, ça marche. Alors. Éclat de tir, ça c'est bien ça. Et. Au de 15% les coups de rage, genre les attaques spartiates. On n'a pas déjà ça. Pas besoin d'en rajouter, je crois. Ça nous permettrait de rester en rage plus longtemps, mais... Enfin, on le fait déjà assez souvent. Je pense pas que ce soit vraiment très très utile. Fort chance d'obtenir un regain de santé à chaque parade réussie. Non, très faible chance d'obtenir un don de défense. Subissez des dégâts. Ah oui, résistance à tous les éléments. Ça peut être pas mal. Chance 11. Je regarde les stats surtout aussi. Les stats que ça nous donne. Qu'est-ce que tu sais? Et vous avez fait le marteau de Thor. Oh. Oui, effectivement. Mjolnir nous a rendus célèbres. Nous étions légendaires, connus des dieux et des rois. Nous faisions une équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, eh bien, c'est une longue histoire. Les événements ont fait qu'il était devenu difficile de retrouver l'étincelle, vois-tu. L'inspiration est une maîtresse capricieuse. Oh, regarde un peu tout ce désordre. Rune et récupération, c'est quand même bien. Il faut que je fasse du rangement. Voilà. L'écologie, pas sûr que ce soit son truc. Je suis d'accord. Ouais, elle est pas... Faut s'habituer, je pense. Je pensais que ça allait mieux donner. Enfin, ouais, faut s'habituer. Normalement, l'attaque de givre, enfin l'augmentation des dégâts de givre, ça va marcher avec avec notre hache, parce que ça fait du givre. L'épée, il faut grimper dessus, je crois. Ou alors la faire tomber. Mais bon, enfin, je penserais plutôt grimper. Qu'est-ce que... Arrête-toi! Oh, Kratos! Non! Merci. Bon, faudra peut-être faire la faire tomber. On va voir après. Ah merde, non. C'est pas par là, si. Le chemin principal. Non.
Ah. Yeah, géré. Pas mal ça. Sympathique. On peut aller à trois pas ou pas? Genre je peux m'accro. La réponse est non. Non, non. Je pense que c'était juste pour le coffre. Où est-ce qu'on va? Y a quoi là? Attends, il y a un truc là. Coffre, ok. Un autre cristal, t'as qu'un mot à dire. Et maintenant? Peut-être pousser. Pousser ça et tirer après. Ah ah! Ouh la vache. Oh, on y est presque. Oh la merde. Eh bien, ce n'est pas un plan très discret. Maintenant, il faut libérer l'autre sangle. Vraiment ? Ça va faire un putain de bordel. Mais bon, c'est le style à Kratos. De quel côté du coup? C'est pas... On va voir. J'ai vu qu'il y a un cristal là. Ah mais non, on peut pas revenir. Non. Un endroit que j'ai pas vu sûrement.
Ah, monter. Évidemment. Évidemment. Pourquoi on va en haut alors que ce qu'on cherche est tout en bas? Réfléchis. Eh bien, la pointe du burin est sous d'épaisses couches de glace qu'on ne peut pas faire fondre. Exact. Il n'y avait pas de cristal d'éclat à proximité sur lequel j'aurais pu tirer, donc c'était pas une option. Exact. Le seul moyen est donc de transpercer la glace, mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd et... Oh, ça y est, j'ai compris. Bien. Il est malin, mais le gosse, hein, mais... Des fois, il est un peu long à la détente, hein, quand même. Comment va-t-on tourner le marteau pour qu'il atterrisse près de la pointe du burin? Impossible. On va le libérer, descendre avec lui et aviser sur le moment de ce qu'on peut faire. Donc ton plan comporte une bonne part de chance. N'hésite pas à en proposer un meilleur. Et maintenant? Accroche-toi. Oh putain. C'est parti. Ce plan ne me dit rien qui va. Silence, bête. Saute. Non, c'est encore bloqué. Il n'est tombé qu'un petit peu. Ouais, il y a de l'écho. Quand on est dans des grottes, etc. C'est pas mal, c'est bien fait. Il y a tout plein de petits détails comme ça qui sont vachement bien faits. Hein. Bien pensé. Bon, on va sûrement devoir monter et pousser le marteau. Putain, mais on trouve tellement de la merde. La vache. On va tellement mieux. Oh non, le sol s'est effondré. Une vasque de sable, mais comment on peut l'attendre? Ne peut pas. Atreus. C'est pour faire quoi ça? Ah la ça là. Le sable. Qu'est-ce qui est écrit? Quand le temps lui fait faux bond. Le voyageur avance à reculons. À reculons? C'est à l'envers? Ces symboles, ce sont les saisons. Oui, mais tout est dans le désordre. Ça devrait pas être hiver, printemps, été, automne. Pourquoi commencer par l'hiver? Ça vient d'une chanson que mère me chantait. Oh, je la connais celle-là. Hiver! Silence, tête. Il n'aime pas la musique non plus. Compris. Et c'est ça. Ah merde. Vetter. C'était pas ça. On a dit quoi? Hiver. Printemps. Je sais pas les signes. Merde. Ok, donc c'est celui-là. Ça? Et c'est ça. Vetter, Var, Sommer, Haust. Ça n'a pas marché, mais je sais que c'est dans cet ordre que Mère le chantait. Ça n'a pas marché, mais c'est dans cet ordre-là. Ok, d'accord. On va faire différemment. Là, il y a quoi?
écrit. Non. Non, si, oui, peut-être. Quelqu'un a une idée? Toujours rien. Atreus, quel est l'ordre de la chanson déjà? Hiver, printemps, été, automne. C'est pas ce que j'ai fait au début? Printemps. Été. Automne. Fais-le. Vetter. Var. Suma. Haust. Ça n'a pas marché, mais je sais que c'est dans sa danse que Mère le chantait. Au hasard. C'est bien hiver, printemps, été, automne, ça, non? Hiver. Après printemps, ça doit être la fleur. Ça. Après été, c'est le soleil. Et automne, c'est ça? Les feuilles. Feuilles qui tombent. Ou alors on le fait à l'envers, peut-être. On va le faire à l'envers. Vas-y. Aust, Suma, Var, Vete. Oui. C'est à l'envers. Atreus, ce mot. Fola, ça veut dire. Essaie. Fola. Wow. Bien joué, petit. Écris-le encore. Fola. C'est là. L'énergie fait monter la plateforme. Continue. Fola. 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 Tête, comment est-ce possible? À mon avis, magie temporelle. Une chose dangereuse avec laquelle les dieux Van aimaient jouer. La capacité de figer le temps. Une des spécialités de Njord, en fait. Aimaient? Ils le font plus? Eh bien, il se trouve que figer le temps arrête la course de la lune et du soleil dans le ciel, mais pas celle des loups qui les chassent dans l'espoir d'y planter leur proie. Alors, les dieux ont estimé qu'il était préférable de laisser le temps. On peut pas attendre la base. Une chance de flèche. Désespoir là. C'est pas ça que je vais faire. Elle est à moitié vide. T'as fait quelque chose, gamin. Reprends l'écriture avant que le sol s'effondre. Sympa ce petit événement. Par contre, on a des trucs à péter. Ah ok, c'est bon. Regarde, l'énergie qui nous fait monter, elle est à moitié vide.
Merde, il y avait un objet qui a disparu. Chier. Oh putain, encore. C'est pas vrai. Regarde. Ah non. Vache. Concentre-toi, gamin. Ah putain, elle est où? Non! Putain, on était bon. Je l'avais fait tomber. Genre à une seconde près, c'était bon. Donc elle aussi, on peut la faire tomber. Ce que je viens de faire. Sur ta droite. Putain, le bordel. Oh merde. Merde, la vasque s'est renversée. Retourne. Romain. Qu'est-ce qu'on fait? On passe. Ok, on passe. Atreus. C'était seulement pour plaisanter, vieil ours aigri. Et B.
Re-citoyen. Oh, juste la connais qui merdait un peu. Bon, on y est. Comment on va faire là, pour c'est la bon. Dégager Poussez. Mais... Et confiance. On va faire tomber le marteau. Ouais. Cale-toi et pousse de toutes tes forces. D'accord. Ah, même le gosse, il nous aide. C'est vrai que ça va vraiment nous aider. Comment on descend? On saute. Vraiment? Viens. Ça, c'est une idée à la con. Ne panique pas. Pourquoi je paniquerais? Je te tiens. Oh la vache. Tu es malade, tu le sais ça? Tu vas bien. Tant mieux, on doit avancer. Tu es malade? J'avoue. Laisse-le faire. Cet homme a un certain talent pour la destruction. Ne l'oublie pas, Ted. J'y pense à chaque seconde. Ne l'oublie pas. Oh. Reste calme. Va bien. Ils ne sont peut-être même pas là. Ce marteau n'est pas tombé tout seul. Bien, si on les trouve, tu me laisses le petit, hein. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Y'a Baldur pas loin? Putain, mais où on va? Ah là. Pas maintenant. On est bon. Non, attends, là. D'abord, on regarde. Okay. Je crois qu'il y a pas, il y a Baldur pas loin. Putain, on va devoir le combattre encore. Ce sont les hommes qui étaient avec Baldur, ses neveux. Oui. Magni enfin, les neveux. Et Maudit, d'accord. Les fils de Thor. Mère disait toujours que les As étaient les pires des dieux et que Thor était le pire des As. J'imagine que c'est aussi un mauvais père. Ce ne sont plus des enfants. Ils n'ont pas d'excuses. Sindri va s'en sortir? Ils ne le trouveront jamais. Bah, il y a les deux neveux, du coup. On va peut-être les combattre. Ah, la grande salle de festin. La fierté de Midgard. C'est drôle, j'avais le souvenir qu'il y avait un immense chandelier. Il donnait vie à ce lieu. Je ne peux vraiment pas t'empêcher de tout détruire. Non. La destruction, j'adore. Si je me souviens bien, le trône du Jarl se trouvait juste de l'autre côté de ce mur de glace. Ah, cool. Quel mur de glace celui-là? Celui-là, il y a une bestiole derrière. Prépare-toi. C'est parti. Ah, c'est celui-là de glace, il fait des ondes de choc, c'est chiant. Attends,
aussi fait. Non, avant, cours, cours, cours. Pas un truc à ramasser. Si fait. Ça va ? Super. Ah, c'est sympa ça. Avec une charge supplémentaire, invoque deux charges supplémentaires. Ruée de sangliers spectraux. Ça fait énormément d'étourdissements. Et on peut les invoquer beaucoup plus souvent. On va tester, on va voir. Faut voir si ça suit l'ennemi. J'ai pas l'impression que ça suive, mais on va voir ça. On peut détruire les autres ou pas? Oh merde. Ah, tu m'as gavé. Bonne nuit, Goldo. Pas super fan. En fait, ça fait une ligne, quoi. Ça dépend où est le gosse, en gros, mais... Non, je préfère les chiens. Bon, après, ça se recharge super vite, quand même. C'est déjà prêt, là. 90 secondes. Ça fait 1 minute 30 au lieu de 270 secondes, je crois. Ouais, je sais pas. Ça fait surtout de l'étourdissement alors que les chiens ils sont déjà genre quasiment au max. Non, on va garder les chiens. Faut que ça se recharge et je change. Yeah.
m'as touché, toi. Deux fois, tu m'as touché. Qu'est-ce que vous faites à me toucher, là? Un peu joué à l'arrache, mais vu qu'il me faisait aucun dégât. C'était pas très très grave. Excusez-moi, squelette. Tu vois, il va bien. J'ai préféré m'éclipser quand les fils dégénérés de Thor ont débarqué. Eh bien, concentre-toi sur ton travail. Comment on monte ? Je crois qu'il faut aller de l'autre côté. Au-dessus ou en dessous? On peut aller au-dessus? Non, on peut pas. On va tellement combattre, ça va tellement être du boss là. Dépêchons, on peut peut-être récupérer un éclat du burin et nous éclipser avant qu'il nous voie. Oh. Oula! Toi! Atreus! Rends-toi! Le père de tout l'exige. Non. Tant mieux. C'est mon combat, Atreus. Va-t'en. Où est-ce que tu vas comme ça? Oh non, mon frère. L'avortons à un arc. Qu'est-ce qu'on va faire? Le cibler, putain, j'étais presque à... Je l'avais presque tué. Enfin, je l'avais presque étourdi au maximum. Hop là.
qu'est-ce qu'ils font? Je vois rien. Reste derrière moi, Atreus. Pourquoi nous poursuivez-vous? Que veut Odin? Je sais pas, je m'en fiche. Viens là, bâtard. Arrête de te cacher derrière ton père. Tais-toi! M'appelle pas comme ça! C'est fou que tu aies tenu si longtemps. Tes pauvres bras peuvent à peine soulever ton bras. Je t'ai dit de te taire! Calme-toi, Atreus. Oh la vache! Ok. J'arrive